Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour ce test de la ABOX A4. Donc c'est une box TV qui vient avec à l'intérieur un processeur ARM Logic 905W qui devrait permettre de pouvoir décoder à peu près tout. Donc évidemment du Full HD, en théorie de la 4K. Vous allez voir, je vais le soumettre à toute une batterie de tests assez poussée, que ce soit de la diffusion vidéo via mon réseau Wi-Fi, via mon disque dur branché directement dessus. Je vais aussi vous montrer comment caster l'écran de votre smartphone directement sur la box. On va installer des applications, des qui seront proposées par Android TV dans le Play Store et d'autres qui sont téléchargées en extérieur via des sites qui proposent des APK. Bref, je vais essayer de vous faire un tour d'horizon vraiment global et vous allez voir vraiment fonctionner la box en direct avec le minimum de coupures possible. J'enchaîne les tests de lecture vidéo, de jeux vidéo. Je vais aussi brancher une manette Bluetooth, tester du jeu vidéo, voir si ça répond bien, s'il n'y a pas de temps de latence, de lag, quel genre de jeu vidéo vous allez pouvoir jouer aussi. Je vais faire un test vraiment super complet. Restez avec moi et vous pouvez d'ores et déjà vous abonner si vous le souhaitez. Il y a une petite icône qui est là. J'ai plein de tests encore à faire, plein de box TV aussi à produire. Vous allez en voir d'autres. J'ai le OnePlus 6 qui est en ce moment en test, qui est super et que je vais utiliser pour cette vidéo, pour la partie cast, projection de l'écran, diffusion de mon écran. Alors, dans le package, vous allez trouver évidemment la box qui est composée de pas mal de petites choses. Donc, je vous montre. Alors, on a bien sûr l'entrée électrique, je vais vous la montrer juste après. Hop. Vous allez avoir le port HDMI ici, vous allez avoir la prise AV, vous avez ici une RJ45. Et là, une SPDIF. Donc, c'est complet à ce niveau-là. Il n'y a vraiment rien à dire. Sur le côté, vous avez deux ports USB et le lecteur pour la carte micro SD. Donc, nickel aussi. C'est livré avec une prise HDMI. Ça, c'est plutôt cool. Avec une prise électrique française. Ça, c'est génial aussi. Parce que quand on achète des produits d'origine chinoise, on a souvent des prises chinoises. Là, ça a été bien pensé. Moi, je suis content. Et surtout, une très bonne télécommande. Alors, je l'ai déjà testée. Elle est ultra réactive. Vous n'avez pas besoin de la pointer systématiquement vers la box pour parvenir à donner un ordre à la box. Et ça, c'est vraiment super cool parce qu'il y en a marre des télécommandes toutes pourries où il faut être toujours vraiment directement dessus pour que ça fonctionne. Là, elle est vraiment très bien. De toute façon, ça se voit à la conception, on va dire, le soin qui a été donné à porter à cette télécommande. Elle a aussi, et ça c'est cool, la dictée vocale là. Ça c'est vraiment génial. Donc vos recherches, vous allez pouvoir les faire en maintenant appuyé ce bouton là. Pour le reste, c'est une télécommande assez classique avec un mode souris. Donc vous allez pouvoir activer le mode souris et déplacer la souris avec la croix directionnelle ici. Et quand vous l'activez pas, vous naviguez dans les menus classiques avec la croix directionnelle en bas. La souris est utile pour les applications que vous téléchargerez à part, qui elles n'ont pas été conçues à la base pour fonctionner avec Android TV. Alors voici mon installation temporaire, je vous rassure, c'est un peu le bordel, qui va me permettre de tester la ABOX A4. Donc elle est reliée en HDMI à mon projecteur, le X-Jimmy H1. C'est celui que je vais filmer, c'est l'écran que je vais filmer qui va vous permettre de bien voir la restitution des contenus. Donc là vous voyez l'indication de l'heure, hop, le réseau Wi-Fi à côté, etc. La box est allumée avec la petite lumière bleue qui illumine la marque ABOX. Donc je lui ai relié aussi un disque dur, hop, donc c'est mon 2 Tera qu'il y a ici, qui va me servir pour les tests. Il va y avoir beaucoup de contenu aussi diffusé en Wi-Fi, puisque c'est l'intérêt de cette box, étant donné qu'elle gère le Wi-Fi, et que j'ai un serveur et une Freebox à la maison, bah du coup je vais aller pomper directement sur mon serveur Freebox les contenus. J'ai aussi ici le OnePlus 6, qui est en test en ce moment sur ma chaîne YouTube et sur mon blog, par lequel je vais caster des contenus. Donc ça va être du jeu vidéo ou du film que je vais envoyer à la ABOX qui elle-même va l'envoyer au projecteur. Et ça permet de bénéficier de toute la puissance d'un smartphone pour diffuser des contenus somme toute un peu plus costauds. Alors bienvenue sur l'interface de base d'Android TV de la ABOX A4. Ce que je vais essayer de faire dans mon test, c'est de vous dérouler différents écrans, différentes applications en faisant le moins de coupage possible. On va vraiment les enchaîner, des trucs vraiment utiles que vous pouvez utiliser au quotidien. Et si possible, comme je vous le disais, sans coupure pour vous montrer la vraie vie, entre guillemets, de la box, comment elle fonctionne. Donc voilà l'écran d'accueil. Vous avez en haut les recommandations. Donc c'est toute une série de vidéos soi-disant recommandées pour moi. Pourquoi pas? Hop. Alors, je vais remonter, pardon. Je vais me mettre... Voilà. Ici, vous avez des applications qui ont été préinstallées avec la box. Donc, pas d'application trop gênante normalement. On a du Google Play pour les films, ou du Google Play pour les applications, du Netflix, etc.
Et je vous propose de commencer directement par le seigneur et maître en termes de diffusion de films, Netflix. Alors on va prendre au pif le tout premier truc qui nous tombe sous la main, voilà, 13 novembre, et voir si ça fonctionne bien. Donc en général, le début des vidéos Netflix est toujours en très basse définition, et ça finit par s'améliorer. Donc je vais vous montrer qu'une toute petite partie, parce que voilà, c'est protégé par des droits d'auteur, je suis pas là pour créer des ennuis non plus, mais c'est fluide pour l'instant, il n'y a pas de problème. Super, c'est parfait pour moi. Il n'y a pas besoin de plus. Alors je vous rassure, j'ai fait des tests plus poussés chez moi. Mais c'est juste pour vous montrer que ça marche bien. Même chose, on va aller sur Google Play, films et séries. Alors c'est pas mon compte direct qui est relié là-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est mettre une bande-annonce tout simplement. Allez, on va se prendre les tuches. Hop, regardez la bande-annonce. Après notre tour des Amériques, on a repris nos bonnes habitudes. Bon, je pense que ça vous convient. En tout cas, moi, ça me convient. Il n'y a pas de souci pour l'instant. Je vais revenir sur la page d'accueil. Qu'est-ce qu'on peut se faire comme application encore? Allez, on va se faire un petit tour sur Google Play quand même. Donc, Google Play associé à Android TV, malheureusement, est un peu édulcoré. Il y a plein d'applications qu'on ne trouve pas dedans. Donc, il y a toute une série qui est disponible. Mais ça reste quand même vachement limité. Par exemple, moi, toutes les applications Freebox qui me permettent d'accéder à mon réseau, de voir la télé, etc., n'existent pas dans Google Play. Alors, j'ai une autre astuce. Là, je vais pas vous faire un téléchargement. Ça fonctionne. Ce qui est à l'intérieur de Google Play marche impeccable. L'astuce, elle va passer par les paramètres. Par Google Chrome. Désolé, je fais des bêtises. Et vous allez pouvoir télécharger des APK directement sur Google Chrome. Alors APK, c'est le format du fichier d'une application, donc ça n'a rien de miraculeux. Et vous allez mettre dans Google, dans le moteur de recherche, le nom de l'application que vous voulez avec écrit APK derrière. Donc là, par exemple, je vais chercher l'application BoxNTV que vous avez ici à l'écran, .apk ou avec APK derrière. Et je suis allé sur le site, alors pour le coup, c'est m.apkpure.com. Et je suis allé télécharger l'application et je l'ai installée. C'était tout bête, franchement, c'est passé nickel. J'aurais aimé que tout soit disponible dans l'App Store, entre guillemets, enfin le Google Play plutôt, pour Android TV, mais c'est pas le cas. Heureusement, il y a des moyens détournés de le faire, assez simple, donc c'est plutôt cool. Alors là, il y avait des applications pas forcément utiles pour tout le monde qui sont installées. L'explorateur du fichier, lui, pourra vous être utile quand même, fonction de ce que vous mettrez sur le projecteur directement. Mais avec 16Go, vous n'allez pas aller loin. Moi, je vous conseille de mettre un disque dur. Il y a des petites applis que j'ai installées. VLC par exemple, vous avez Kodi qui est préinstallé de base aussi, MX Player pour lire les films qui est plutôt bien, voilà, Google Play Jeux auquel vous pouvez accéder aussi par Google Play Store de toute façon, je vais vous montrer un jeu après, et évidemment YouTube avec une diffusion en Full HD des vidéos, donc on va s'en faire une petite pour la démo. Ce qui peut distinguer par exemple une box avec un processeur plus puissant, c'est ça, c'est les temps de chargement. Vous avez vu, il a fallu peut-être 3 secondes pour charger la vidéo, alors qu'il en faudra peut-être moins avec une box un peu plus puissante. Donc on va aller chez Spyro le Dragon, voir son test d'un projecteur, que j'ai testé moi-même aussi d'ailleurs. Alors là, vous êtes sur la publicité. Ignorez l'annonce. Hop. Alors, pardon. Ce que je voulais vous montrer, c'est autre option, qualité, et vous voyez que je suis bien en Full HD. Donc l'image passe impeccablement en Full HD, vous inquiétez pas. Hop, je vous en montre pas plus, il n'y a pas lieu d'aller plus loin. Alors, ce que je vais faire là, c'est vous montrer les paramètres. Donc on est sur Android 7.1.2, avec un certain nombre de paramétrages que vous allez pouvoir réaliser directement ici. Donc le réglage réseau, mais ça se fait dès que vous démarrez la box pour la première fois, il va vous demander de vous connecter au Wi-Fi. On a une Chromecast entre guillemets intégrée à l'intérieur, et ça je vais vous montrer aussi la démo, c'est très intéressant, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses avec, vous allez voir, c'est vraiment un des points clés pour moi de la box. Bon, réglage de son, application pour les installer, les désinstaller, tout ça c'est très classique, stockage et réinitialisation de la box pour voir où vous en êtes. Voilà, date, langue, clavier, etc. Tout ça c'est de la base. Je vous montre pas plus que ça. Ce que je veux vous montrer, c'est un paramètre qui n'est pas accessible ici.
c'est le réglage Bluetooth. Alors, le Bluetooth, on peut l'activer, il y a un moyen détourné de le trouver. Il n'est pas dans l'interface de base. Il se trouve par ici, dans More Settings. Et vous allez voir, on arrive sur une autre interface de paramétrage de la box avec le Bluetooth ici. Et ça tombe bien, on va aller faire un tour dedans. Et vous allez pouvoir connecter une manette par exemple. Ça, c'est plutôt cool. Donc moi, j'ai une manette ici. Alors, vous la verrez peut-être floue à l'écran. Là, donc je fais X et ça pour l'appairer. Donc ça va clignoter. Ensuite, je vais dans Gamepad connexion. Il va me trouver la manette. Voilà, connectée. Elle a arrêté de clignoter. Et normalement, maintenant, si je sors, je peux jouer aux jeux vidéo avec ma manette. Et ça, c'est vraiment sympa. D'autant que la box va pouvoir gérer un certain nombre de jeux vidéo, pas forcément des très violents en termes graphiques, mais suffisamment sympa pour vous détendre, pour des enfants aussi. Ça va être vachement drôle pour eux. Ça fait une espèce de petite console de jeux vidéo improvisée. Ça, franchement, moi, je trouve ça chouette. Donc là, je vous ai mis Beach Buggy Racing. C'est pas un jeu qui mange beaucoup de pain, mais c'est très proche de Mario Kart. C'est finalement assez drôle. Il est disponible sur Google Play Jeux. Hop. Donc là, je suis vraiment avec la manette. Hein. J'utilise pas la télécommande de la télé. Et je vais accélérer avec la gâchette en haut à droite. Et je tourne ici. Alors, je peux vous le montrer. Hop. Je suis vraiment avec ma manette. Là, gauche, droite. Et vous voyez, c'est impeccable. C'est fluide. Et c'est exactement ce que moi j'attends de la box. Alors pas qu'elle puisse me permettre de tout faire, de tout jouer, elle n'a pas le processeur le plus puissant de la Terre, mais là vous voyez c'est quand même ultra jouable. De toute façon c'est simple, si je me plante pas, en général c'est bon signe, ça veut dire que c'est fluide. Allez, on va quitter le jeu. Alors j'ai pas testé, tiens, est-ce que ça se contrôle? Ah oui, alors la box se contrôle aussi avec la manette, là j'utilise pas la télécommande. C'est fluide, j'utilise le joypad de la manette. Pourquoi pas, ça peut être un petit truc supplémentaire. Je vais revenir avec la télécommande, c'est quand même le fond du fond. Alors, ici, vous avez le tiroir d'applications. Donc c'est là où toutes les applis vont se stocker, évidemment. Celles qu'en tout cas, vous avez téléchargées. Moi, j'en ai pris quelques-unes, j'ai pris des applications de test, etc. Hop, je me suis pris Asphalt 8 aussi. Donc là, c'est un jeu beaucoup plus gourmand. Et ça va être assez intéressant de voir si la box est en mesure de gérer ce niveau 3D. Donc là, je vais probablement couper pour vous éviter les temps de chargement du jeu. Alors là, c'est le moment de vérité. Est-ce que la box est en mesure de faire tourner Asphalt 8 convenablement, sans saccade, sans trop de saccade en tout cas, pour que ce soit jouable? Et c'est quand même pas mal du tout jusqu'ici. C'est assez étonnant. J'irai pas jusqu'à dire qu'il n'y a pas une ou deux images de sauter de temps en temps, mais ça reste très jouable. Allez, va-t'en, toi. C'est vraiment propre. Je pensais pas que le processeur serait en mesure de gérer un jeu pareil. C'est plutôt rassurant, en fait, pour vous, pour la typologie de jeu auquel vous allez pouvoir jouer. Tout simplement parce qu'un Asphalt consomme beaucoup d'images par seconde pour être jouable et fluide. Et du coup, ça indique que vous allez quand même pouvoir probablement utiliser pas mal de jeux vidéo. Pas forcément les tout derniers. Mais vous allez pouvoir vous faire plaisir un minimum, ça c'est plutôt chouette. Allez, je vous en montre pas plus. On va revenir sur l'écran d'accueil et le tiroir d'application. C'est quand même relativement fluide. Alors, ce qu'on va se faire maintenant... Hop, alors ça c'est un test difficile, je m'attends pas trop à ce que ça réussisse. C'est le streaming télé, donc depuis ma box. Ça consomme pas mal et en général, c'est même l'application est pas au top. Donc ça va fonctionner en théorie, ça va pas forcément être très beau. On va mettre la 2, voilà, télé matin. Retrouver ces jeunes à basculer de cadavres, de légendes urbaines, d'expositions de photos mortem. C'est quoi ça? Les photos post-mortem, c'est fascinant, c'est des photos qui existent. Et on prenait en photo les gens juste après leur mort pour conserver un souvenir. Normalement, c'est terminé, il n'y a plus ces pratiques-là. Mais ça m'intéressait beaucoup. Et si ces pratiques-là existaient encore, et si on conservait des dessins créés... Alors vous voyez, c'est pas parfait. Il y a des petits artefacts, des petits, voilà, des images sautées. C'est pas optimal à ce niveau-là. C'est probablement lié aussi au fait que ce soit l'application qui fasse ça. Peut-être aussi au débit que sollicite finalement BoxNTV.
Donc à ce niveau-là, c'est pas une réussite. Il m'est arrivé de voir des box qui le géraient un peu mieux. Ça a l'air de se stabiliser un peu avec le temps. Mais bon, on a quand même des petites gênes encore à l'utilisation. Donc bon, de ce point de vue-là, je m'attendais pas à un miracle de toute façon. C'est des applis assez difficiles à gérer. On va faire autre chose maintenant. On va aller sur ma Freebox cette fois-ci. Chercher un contenu que j'ai enregistré, par exemple sur la télé. Mettons que vous ayez une émission de télé que vous avez enregistrée et vous souhaitez la diffuser depuis sur une autre télé que votre box. Donc je sais pas, moi dans votre chambre vous avez pas de Freebox et vous voulez la diffuser sur la télé de votre chambre. Donc vous branchez la A-Box A4 dessus. Vous allez là-dessus, disque dur, et vous allez pouvoir aller chercher les enregistrements que vous avez fait avec votre télé. Donc moi j'ai essentiellement du dessin animé, tout simplement pour mes enfants. Allez, on va se faire Rango, l'ouvrir non pas avec le player associé à l'application, mais avec MX Player qui est déjà préinstallé dans la box télé. Hop, il est un peu dur de la feuille visiblement. Voilà, ouvrir avec MX Player. Et voilà. Alors c'est des pubs liées à l'enregistrement que j'ai fait. Mais là, c'est bel et bien le film, alors pour le coup, c'était Rango, qui devrait être diffusé. Les gens comptent sur moi. On m'a formé, puis un jour, ça a été à moi. Là. Alors là, on est toujours sur une diffusion Wi-Fi. Donc j'ai lancé un film de 1,4 giga depuis mon disque dur, en réseau évidemment, et ça tourne impeccablement. Là, on va se faire des tests un peu plus poussés sur des formats de fichiers type MKV encodé en H265. Alors là, je suis dans Google Play. Donc, comme j'ai utilisé beaucoup d'applications depuis le début du test, je me suis dit que je vais aller télécharger quelque chose qui peut libérer un peu de RAM. Cleaner. Voilà, donc vous voyez, j'ai utilisé la télécommande et la fonction dictée vocale pour prendre alors ce qu'on appelle un nettoyeur, un cleaner de RAM. Hop. Donc, je vais télécharger ça pour essayer de libérer de la RAM un petit peu, de libérer et faire en sorte que la box ne gère pas en toile de fond d'autres activités que ce que je lui demande à cet instant précis. C'est assez important à utiliser, je trouve. Alors là, je vais lui demander de digérer quelque chose d'assez costaud, un film MKV en Full HD de 18 Go, le tout à transférer par mon réseau Wi-Fi. C'est pas dit qu'il réussisse. Là, pour l'instant, ça, il a l'air de s'en sortir. Je pense qu'il a mis en cache une partie. Mais il va peut-être devoir à un moment donné saccader ou se rafraîchir, couper un peu. Si ça fonctionne pas, je vais vous montrer des alternatives. Là, on passe par le réseau Wi-Fi, mais vous pouvez brancher votre disque dur directement sur la box. Et ça, c'est plutôt cool. Ça va l'alléger d'un fardeau, d'un poids supplémentaire. Hop, pour l'instant, ça a l'air de fonctionner correctement. Alors, ça saccade, il a un petit peu de mal. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de voir les méthodes alternatives. Alors là, je viens de faire exactement la même chose, mais j'ai lancé le film non pas depuis mon réseau Wi-Fi, mais directement sur le disque dur branché sur la A-Box A4. Et c'est clair que c'est pas la même limonade. Donc mon réseau Wi-Fi a ses propres limites de débit. Un fichier de 18 Go, ça passe assez mal visiblement. Là, pour l'instant, en tout cas, ça a l'air impeccable. Je vais le laisser tourner quelques secondes. Ça se sent que c'est bon. Tout simplement, on voit que c'est ultra fluide. Moi, je le vois à l'écran. C'est vraiment impeccable. Donc, la box est en mesure de lire, un MKV en H264 de 18 Go. Pour moi, c'est déjà un très bon indicateur. Juste pour le fun, je vous montre aussi que vous allez pouvoir diffuser d'autres contenus comme des photos, des images. Là, pour le coup, j'ai mis des tomes de Dragon Ball. Et vous allez pouvoir comme ça faire défiler et lire vos contenus sur vos écrans, sur vos projecteurs, etc. C'est plutôt sympa à savoir. Alors, je vous disais à l'instant qu'il y a deux solutions si jamais votre réseau Wi-Fi est saturé, si vous avez du mal à diffuser des gros films ou d'autres types de contenus, c'est de caster l'écran de votre smartphone. Donc, il y a une équivalente Chromecast qui est déjà intégrée à l'intérieur de la box TV. Ça, c'est super, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est magnifique, enfin, pour moi, c'est presque fondamental. Donc là, j'ai mon OnePlus 6 avec moi, dont vous pouvez voir le test sur YouTube ou sur mon blog.
Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de caster l'écran de mon N+6 directement là. Hop, donc je choisis Android 94, machin chose. J'accepte. Voilà. Et normalement, je vais être connecté à mon N+6. Vous allez voir apparaître l'écran du téléphone. Ça, faut avouer que c'est quand même super cool. Alors du coup, bah, ça vous donne tout accès à tout un monde d'interactivité auquel vous n'aviez pas accès avant, puisque votre téléphone est probablement plus puissant que la box et surtout dispose d'autres applications. Vous êtes vraiment totalement libre de faire ce que vous voulez sur votre téléphone, ou presque. Donc du coup, bah, qu'est-ce qu'on va se faire? Allez, on va aller sur YouTube par exemple. Chez moi, sur ma chaîne. Tant qu'à faire, hein. Voilà. Et puis on va prendre test de trottinette électrique. Alors du coup, forcément, avec un OnePlus 6, c'est ultra rapide. Désolé pour la pub. Mais vous voyez, franchement, l'affichage est impeccable. La liaison entre le smartphone et la box se fait vraiment super bien. Alors il y a du son, hein. Je ne l'ai pas mis, mais... Hop. Voilà. Vous allez aussi pouvoir jouer. Et ça, c'est cool aussi. Alors, on a vu tout à l'heure qu'Asphalt passe bien. Mais tous les jeux vont pas forcément passer. Non, je vais vous lancer autre chose que Asphalt Extreme. On va prendre un jeu vraiment ultra gourmand. Hop. Alors, lui, on est au top de la gourmandise. Il y a guère qu'un smartphone costaud qui peut le faire tourner. Hop. Je vous remontre ça, le temps de me reconnecter. Hop. Alors ça, c'est vraiment un jeu qui consomme énormément de patates, auquel vous n'auriez pas accès avec votre box, c'est pas possible. Donc ça reste quand même assez jouable sur un grand écran. Donc le tout est diffusé par la A-Box A4. Hein. Vous voyez, c'est quand même plutôt sympa. Visiblement, il y a un gars qui essayait d'entrer en interaction avec moi, il est mignon. Super, on est tous en slip. Il y a bonne ambiance. Voilà. Donc, vous allez forcément aussi pouvoir accéder à tous vos contenus habituels. Hop, je vais essayer. Pardon. Parce que là, j'ai changé de mode. Le Play Store, tout ça. Qu'est-ce que je pourrais bien vous montrer? Naviguer sur Internet aussi. Ça va fonctionner du coup sans problème. Voilà. Avoir vos applications, Facebook, bref. Tous les contenus de votre smartphone seront affichés sur la A-Box A4 et c'est bien ça l'essentiel. Donc du coup, vous allez pouvoir sans problème aller chercher des films et il faut encore que j'installe l'application qui va bien. Voilà, on se fait le même test que tout à l'heure où j'avais installé l'application Freebox Compagnon qui me permettait d'accéder en Wi-Fi à mon réseau. Cette fois-ci, je le fais avec mon smartphone. Alors du coup, le téléphone est plus rapide, hein, y a pas de miracle. Et voilà. Ça s'affiche directement, c'est quand même impeccable. Et moi, c'est l'utilisation que je vous invite à en faire. Utiliser votre smartphone pour caster du contenu, vraiment c'est top. Je l'ai fait pendant des années avec d'autres projecteurs, ça marche super bien. Alors vous pourriez avoir une Chromecast aussi, ça marcherait tout aussi bien. Mais faut avouer que là, c'est séduisant. Vous avez l'aspect Box TV qui conjugue la Chromecast à l'intérieur. Franchement, c'est cool, faut pas s'en priver. Alors, je vous l'avais pas montré, mais vous avez bien évidemment accès à Kodi et vous pourrez faire ce que vous voulez avec. De toute façon, il est un préinstallé de base sur la Box TV. Donc tout ça, c'est impeccable. Je vais pas vous en montrer grand chose, mais ça fonctionne sans aucun souci. Voilà. Bref, vous en trouverez bien une utilisation, j'imagine. Alors, comme vous avez pu le voir, elle est quand même sympa cette A-Box A4. Depuis son interface Android moderne à Android 7, qui devrait pas se démoder tout de suite, qui a quand même encore pas mal de temps d'existence devant lui, je pense, jusqu'à sa capacité à décoder des films en H264, en H265, DMKV, DMP4, DAVI, etc. Bref, normalement, en ce qui concerne film, vous n'aurez aucun souci, et quand bien même, à un moment donné, vous tomberiez sur un format ou une évolution qui ne serait pas gérée par la box, vous avez toujours l'option caster l'écran depuis votre smartphone. Et cette option-là, moi, j'utilise beaucoup parce que mes téléphones, alors je les choisis, moi, je les aime bien, j'en ai des assez puissants. Vous avez vu OnePlus 6, mais je l'ai aussi testé avec un Xiaomi Redmi Note 5 et ça marche sans aucun problème. Donc, de toute façon, dans toutes les configurations, vous pourrez utiliser la box pour avoir du contenu à l'écran, du film, du jeu vidéo, pourquoi pas diffuser de la musique, envoyer vos photos directement sur votre télé.
Bref, vous allez pouvoir avoir l'interactivité globale que vous auriez avec une box TV, soit nativement en branchant les contenus directement sur la box elle-même, par la carte micro SD, par le disque dur en USB, ou par votre réseau Wi-Fi, ou par votre smartphone en castant le tout. Donc c'est complet, il n'y a pas grand-chose à lui demander de plus. On aurait aimé forcément un peu plus de RAM et un processeur un peu plus puissant pour diminuer les temps de latence et temps de chargement dans certains contenus. Mais au global, elle fonctionne bien, elle fait ce qu'elle a à faire. Elle reste cependant un petit peu chère, je vais voir si je peux quand même avoir un coupon de réduction. C'est pas certain encore. À part ça, franchement, bah, c'est du tout bon, elle est vraiment sympa. Il n'y a pas de raison pour moi de ne pas l'acheter. Du moment qu'elle est moderne et qu'elle vous permette d'accéder facilement aux contenus qui vous intéressent, aux applications aussi, comme Netflix, etc., tout va bien. Donc si vous avez aimé mon test, surtout mettez-moi un petit pouce, ça paraît rien, mais c'est important. C'est ce qui permet aux vidéos de grandir, d'être plus vues, etc. Voilà. Vous pouvez vous abonner aussi, vous avez une petite icône qui se trouve en bas à gauche de votre écran. Vous pouvez cliquer dessus pendant que je parle, ça ne pose pas de soucis. Et puis moi je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise sur aliexpress.com. Salut !